Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale, idées de recettes pour la semaine. J'espère qu'elles vous plairont. Allez, c'est parti. On commence par la recette du riz cantonais à ma façon. Une recette simple et délicieuse, et c'est le bon moment pour la déguster. Je continue avec une recette qui peut être dégustée aussi bien à l'entrée comme en plat principal. Je veux parler du gratiné à l'oignon. Là encore, très simple à faire. Ça ressemble un petit peu à la soupe à l'oignon, mais en plus gratiné. Justement, en parlant de plat principal, voici une tarte au boudin noir et à la compote de pommes. Alors, ne restez pas sur le boudin noir. Je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon et en plus, c'est très simple à faire. Faites-la au moins une fois et vous serez surpris. Je suis sûr que vous allez adorer et que vous la referez souvent. Allez, place au dessert et je commence avec le brownies. Alors, c'est un dessert que tout le monde connaît, que tout le monde aime en règle générale. C'est assez simple à faire et ça se garde très bien. N'hésitez pas à en faire pour plusieurs jours et ça se congèle aussi très bien. Un peu plus complexe à réaliser, mais tellement bon, je veux parler du Twix maison. Le Twix comme dans le commerce, mais avec les ingrédients que l'on a à la maison, je peux vous garantir que c'est très très bon. Et si vous le faites avec vos enfants, ils vont adorer. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que ces 5 recettes vous plairont, que vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo et aussi à faire ces recettes. J'ai pris moi comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. Je vous mets le QR code, vous avez vu, il s'est affiché si vous avez envie de m'aider à financer mes vidéos. Et vous avez tous les liens sur la description pour les recettes que je viens de vous donner, mais vous les avez également directement sur la vidéo, c'est peut-être plus simple pour vous. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. À bientôt sur Comment fait-on. Salut!